Alors, on va regarder une petite vidéo de travail en R+ avec Nevada sur le montoir. Donc, Nevada, ça fait un petit bout de temps que je la travaille et depuis quelques mois, on a décidé de la redébourrer, de la débourrer pour que tu sois vraiment tranquille montée. Et là, c'est la troisième séance où on lui monte dessus. Mais ça fait plusieurs séances qu'on a travaillé le montoir avec un montoir à côté. Et elle avait appris à rester bien sage. Alors, son principal défaut à Nevada, c'est de se mettre à reculer quand quelque chose ne lui plaît pas. Alors là, on va voir, par exemple, si je fais une espèce de simulacre de montoir, je monte, elle ne bouge pas, donc ça, elle a bien appris. Puis quand je descends, paf, elle se met à bouger, à reculer. Et donc c'est ça qu'on va vouloir travailler dans cette vidéo aujourd'hui. Donc là, j'ai repassé le film pour qu'on voit. Donc ce qui se passe, c'est que quand je suis montée, elle ne bouge pas, je clope pour lui dire que c'était bien. Et puis quand je redescends, elle bouge. Et là, j'ai deux options. Soit je récompense en voulant pour l'encourager, soit je ne récompense pas pour lui dire, bah écoute, je voulais pas que tu bouges les hanches, le mouvement, c'est pas celui que j'attendais. Donc c'est assez compliqué, je trouve, de mon point de vue, de savoir quand est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre. Et je pense qu'on a toujours, en tout cas moi, j'ai toujours tendance à un petit peu trop récompenser. Alors là, dans cette séquence, en tout cas, j'ai bien pris sur moi et je dis, bah non, c'est pas ce que je voulais. Et donc, je recommence. Je refais juste la même demande. Je recommence, je monte. Et je redescends. Elle redécale ses hanches. Bon, là, je lui demande du coup de les ramener. Elle connaît l'aspiration des hanches. Je voulais récompenser, mais comme elle m'a jeté le nez dessus, je ne récompense pas. Je ne veux pas encourager le fait qu'elle m'en dit. Elle a beaucoup trop tendance à le faire. Là, on voit, elle donne des coups de pied un peu pour les mouches, mais des fois aussi, on se demande si c'est pas juste quand elle est très énervée et impatiente. Ça lui plaît pas. Après tous ces essais, j'ai toujours pas récompensé. On le voit, elle est plutôt énervée. Troisième essai. Et là, magnifique, elle bouge pas. Très bien ça. Je récompense. Il a fait avancer un peu pour lui changer les idées, pour qu'elle puisse bouger un peu. On recommence. Très bien. Elle a bien compris. Et là, du coup, je vais un peu plus loin, je passe la jambe par-dessus, toujours nickel. Je récompense malgré son petit coup de tête vers moi, là j'ai fait le choix de quand même récompenser même si elle a un petit peu mendié. Je suis vraiment très contente de ce qu'elle a fait. Bon, évidemment, on ne peut pas dire que c'est acquis, il va falloir encore le répéter plusieurs fois, mais je pense que c'est une bonne piste de travail pour obtenir le fait qu'elle reste immobile et quand je monte et quand je descends. Voilà!